Bonjour et bienvenue dans la cuisine de mon restaurant. Aujourd'hui, une petite salade bien fraîche pour l'été. On va se régaler, vous allez voir. Pour la réaliser, c'est très simple. On va avoir besoin d'une petite courgette, des olives, un petit peu d'assaisonnement, de la feta et bien sûr de la salade et la vinaigrette que vous pouvez trouver sur la chaîne à table Juju. Allez, c'est parti. On met une petite poêle à chauffer. Si on a le barbecue, c'est encore mieux pour faire griller les courgettes, d'accord? Ou une poêle même rainurée, une plancha, ça sera pareil. Je vais vous montrer l'assaisonnement. Là, bien sûr, je n'ai pas le petit barbecue, forcément, dans la cuisine. On se les taille pas trop épaisse comme ça. Hop, on met tout ça dans un petit cul de poule, une petite assiette, pour les assaisonner. Là, on y va. Fleur de sel, un petit peu de piment d'Espelette, des herbes, ça peut être herbe de Provence, du thym, du romarin, ou même des herbes fraîches si on a un peu de basilic, tout ça, mais ça, il vaut mieux le mettre, une herbe fraîche, on la mettra après la cuisson, d'accord? Un petit filet d'huile d'olive, on mélange bien pour être sûr que nos courgettes, nos rondelles soient bien enrobées d'huile, pour justement, le plus important aussi, c'est sur le barbecue. Il faut bien que ce soit lustré d'huile comme ça pour le barbecue, au moins elles grillent directement, ça évite que ça sèche. Là dans la poêle, c'est pas trop le problème. Et là, on y va, on se les fait un petit peu griller. Le temps que nos courgettes grillent, on va préparer à assaisonner de la feta. On fait des beaux cubes pour garder un tout petit peu de mâche, d'accord? Pareil, petite assiette, petit cul de poule. On met les cubes dedans. Et même assaisonnement un petit peu avec les courgettes. Des herbes, piment d'Espelette, le sel, juste une toute petite touche. On fait attention parce que la feta, c'est déjà un fromage assez salé. L'huile d'olive, tac. On mélange bien tout ça. On goûte un petit bout. Impeccable. Voilà, une fois qu'on a une face qui est bien un petit peu grillée comme ça, d'accord, on va juste les faire sauter, voyez, nickel. On les débarrasse tout de suite, on les fait griller que d'un côté, au moins on garde un petit peu la couleur de la courgette, une belle couleur, un petit peu de croquant, et là vite fait on se fait une petite salade une fois qu'on a tout prêt, qu'il y a les invités qui arrivent. La petite vinaigrette à table Juju, on se la met sur la salade, on vient déposer les petites courgettes comme ça au dernier moment dessus. Quelques petits cubes de feta. Hop, des belles petites olives. Et là, une salade qui est prête. Allez, franchement, en une minute, c'est réglé. Une super salade, toute pleine de fraîcheur. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à la liker, à la partager, à la commenter, à t'abonner en cliquant sur ma petite tête qui est juste là. À regarder d'autres vidéos, moi je te dis à la semaine prochaine et à table Juju.